Let's go! Quel œuf contient des bébés? Faisons des œufs en chocolat. Jouer avec toi, s'il te plaît. Non, ils vont gâcher mes œufs. Wolfou, nous ne devrions pas être si égoïstes. Jouer avec nos frères et sœurs sera bien plus amusant. Quelle est l'idée de Lucie? Hé hé! Est-ce qu'il y a des jeux auxquels on pourrait jouer avec ses œufs? Je vais cacher les bébés dans ses œufs. Si tu les trouves, tu gagneras. Oh non, dans le salon, Wolfou semble s'ennuyer. 1, 2, 3. 4. Je suis désolée, j'aurais pas dû être égoïste comme ça. Celui qui trouvera le plus de bébés sera le gagnant. Devinez, Wolfou peut-il battre Lucie? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai compris. Un bébé d'habitude, ça sent le lait. Wow, Lucie a rapidement trouvé deux bébés. Jouer ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux, pas vrai? Wow. La maman machine à sous. Regardez, Wolfou est impatient de jouer à la nouvelle machine à sous. Maman, est-ce que je peux sortir? Pas maintenant, mon chéri. Il fait trop chaud dehors. Oh, Wolfou pense à de mauvais souvenirs avec sa maman. J'aimerais qu'elle ne soit pas aussi stricte. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une machine à sous pour les mamans. Une machine si merveilleuse. Wolfou!
Je veux sortir, maman. Finis ton repas d'abord. Mais voyons les enfants, la nouvelle mère va-t-elle faire plaisir à Wolfou? Est-ce que je peux sortir maintenant? Après le dessert. On dirait que cette maman n'est pas appropriée non plus, Wolfou. Pratiquons ton chant. Oh non. Je n'arrive pas à retrouver ma maman. Nous voulons tous le meilleur pour toi. Je suis désolée d'avoir voulu t'échanger avec une autre. La machine à travail. Oh non, Wolfou a pris trop de poids. Vous pouvez obtenir n'importe quelle tenue avec cela. Eh bien, la machine d'Alien est vraiment cool. Comment un cuisinier peut attraper un voleur? Tu vas bien voir. Jouons! Voyons les enfants. Le chef Wolfou peut-il attraper le voleur Buffo maintenant? Ce costume ne va pas. Il m'en faut un autre. Vous avez besoin de 3 poupées identiques. Réessayez. C'est sûr que tu ne vas pas m'attraper. Oh non. Un ouvrier pour attraper des voleurs? C'est dur, Wolfou. Superbe! Wolfou est si intelligent! De manière inattendue, Wolfou a pu trouver cette solution. Tu vois, j'ai pas besoin d'être un policier pour attraper un voleur. J'ai compris. Je respecterai tous les métiers désormais. Ok. Tournons encore pour avoir de nouveaux costumes.
maman! Maman! Perdu au zoo. Aujourd'hui, Maman Wolf emmène Wolfou et Lucie visiter le zoo. Reste près de moi, d'accord? Oh, le singe supplie Wolfou avec ses yeux. Hey! Qu'est-ce que c'est, Wolfou? Wolfou? Oh non, Wolfou a quitté sa mère. Qu'est-ce que je vais faire? Maman? Voyons voir, est-ce que Maman Wolf peut trouver Wolfou maintenant? C'est ta faute si je suis perdue. Je l'ai trouvé. Je suis désolée d'avoir mis le bazar dans le zoo. Oh, Dieu merci, tu vas bien. La prochaine fois, ne cours pas partout en public comme ça. Et ne donne pas de la nourriture aux animaux du zoo, d'accord? Tu ne devrais pas leur donner ça. C'est l'heure de la piqûre. Il est temps pour toi d'avoir une injection. Oh, regardez, Wolfou semble avoir peur des injections. Si on était fort comme les super-héros, on n'aurait pas besoin d'injections. Les super-héros n'ont pas besoin d'injections. Ils peuvent combattre les monstres. Eh bien voyons, l'histoire des super-héros serait racontée par le docteur Dire, les enfants. Oh non, Wolfou a déjà attrapé le virus qui cause la grippe. Oh.
non seulement les super-héros Wolfou, mais aussi les super-héros Buffo et Piggy ont été infectés par des bactéries. Mais en avoir une améliore notre force. Est-ce le cas? J'ai une idée, suivez-moi. Ça me fait pas mal du tout. Et maintenant, tu es plus fort. Hourra! Et ainsi de suite, Kat avait raison. Je n'ai plus peur des injections maintenant. Maman aime encore plus Wolfou. Préparons le dîner ensemble. Bonjour, Madame Buff. Oh, Buffou est toujours en train de jouer à des jeux vidéo. Laissez-moi vous aider. Le travail de Wolfou n'est pas encore terminé. Wolfou a encore travaillé dur. Tu ne vas pas m'aider? Tu causes toujours des problèmes. Je n'ai plus faim. Mais Buffo a faim. Et quand il a vu sa mère danser avec Wolfou, Buffo n'a pas du tout aimé ça. Apprécions ce repas délicieux ensemble. Contrairement à Wolfou, Buffo est à la fois affamé et triste en ce moment. Bien joué, Wolfou. Je suis heureuse que tu m'aies aidé. Je suis désolée, maman. Ne m'abandonne pas. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que je pourrais t'abandonner? J'étais justement en train de faire le dîner pour toi. Il a bien fallu que je l'aide puisque toi tu voulais pas. Je t'aiderai à la maison désormais. Comprenez et appréciez l'amour de vos parents. S'occuper des bébés robots. Coucou les amis. Regardez ce que j'ai trouvé. Que contient la boîte? Ton papa a fait ses robots pour que nous puissions nous entraîner à prendre soin des bébés.
Il s'avère que c'était le cas. Pourquoi faire? Je trouve ça facile. Je suis d'accord. Je suis sûre que je vais faire mieux que toi. Vous pouvez vous entraîner avec ces bébés. Eh bien, voyons Wolfou et ses amis, comment vont-ils s'occuper des bébés? Donne-moi des biberons. Oh non! Que vont faire Wolfou et ses amis maintenant? Et c'est encore plus dur avec de vrais bébés. S'occuper de bébés est difficile, mais vous allez vous en sortir parce que nous vous aimons. On a compris. Attendez-moi. Pourquoi est-ce que t'as l'air si fatigué? J'ai joué aux jeux vidéo toute la nuit. Oh non, il s'avère que c'était le cas. Comment tu vas pouvoir faire du camping avec nous maintenant alors? Oh, Wolfou pense toujours que c'est une chose normale. Faisons une compétition de course. C'est sûr que tu vas perdre. Je vais gagner, c'est sûr. Eh bien, eh bien. Qu'est-ce que Wolfou va faire maintenant? Il s'agit d'un clone de robot. Génial! Il se transforme en robot lorsque la batterie est épuisée. Au revoir! Wolfou va donc tricher. Wolfou devrait ramener le robot. C'est l'heure de rentrer. Oh non, où est passé Wolfou? Je suis rendormie. Si ce n'est pas Wolfou, alors où est-il? Je suis là. Je suis désolée. Je dormais là-bas. Tu aurais pu manquer notre bus. Attendez!
Souviens-toi de dormir à l'heure. Comme ça, tu ne seras pas fatigué et tu ne manqueras aucun rendez-vous. Aidez-nous. Tout le monde devient gros. Eh bien, aujourd'hui, les parents de Wolfou laissent les enfants manger des pizzas pour changer de repas. Bien, si vous mangez trop de fast-food, vous allez devenir obèse. Si seulement on pouvait manger autant de fast-food qu'on voudrait. Mais où trouver l'argent pour l'acheter, Wolfou? Les enfants, le poulet est prêt. Oh non, pourquoi Maman Wolf prend-elle autant de poids? Pourquoi es-tu si grosse? C'est parce que nous mangeons du fast-food tous les jours. Stop! Dans le rêve de Wolfou, il semble que la famille Wolf ne soit pas la seule à consommer des fast-foods tous les jours. Les enfants, aidez-moi! Oh, après ce rêve, Wolfou veut toujours manger des fast-foods autant que possible. Ce n'est pas grave. Les personnes obèses ont souvent des problèmes cardiaques. Nous sommes tous comme ça. Mais c'est parce que nous ne pouvons pas bouger, sinon nous allons nous casser les os. Nous ne devrions pas manger autant de fast-food désormais. Waouh, tu te souviens? C'est l'image de quel super-héros? Qui est la vraie coccinelle? Si on vous touche trois fois, c'est nous qui gagnons. Et si on prend vos pistolets, c'est nous qui gagnons. Voyons voir, l'équipe de Wolfou ou celle de Buffo sera la gagnante. Ah.
celui-ci a déjà été touché par deux flèches. Ne t'occupe pas de Wolfou. Vise Lucie. Son jojo est dangereux. Oui. Il faut qu'on travaille ensemble. Eh bien, les deux équipes ont leur propre tactique. Mais continuons à voir. Qui va gagner? Hé, les copains! Oh non! Oh, pourquoi y a-t-il Lucie ici? Il s'avère que la deuxième Lucie est Wolfou. Vie de l'armée. Lucie, c'est l'heure du petit déjeuner. J'arrive, maman. Pourquoi Lucie descend-elle si tard pour le petit déjeuner? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'avère que Lucie est restée debout toute la nuit à regarder la tablette. C'est très mauvais pour ta santé. Eh bien, quelle est l'idée de Wolfou? Qu'est-ce que tu fais? Wow, une famille de militaires. Habille-toi, Lucie. À partir d'aujourd'hui, nous suivrons une formation militaire. Et pourquoi? Cette classe va t'aider à avoir un meilleur style de vie. Voyons les enfants, comment Lucie va-t-elle changer maintenant? La santé de Lucie s'est considérablement améliorée. Félicitations, vous avez terminé le cours. Alors, ça fait du bien à ta santé? Oh non! Lucie s'est perdue. Aujourd'hui, Wolfou et Lucie participeront au carnaval. Je veux me déguiser comme ça pour le festival de costumes. J'ai une idée.
Pensez-vous que la tenue de Lucie est super cool? Attendez, tout le monde porte les mêmes vêtements que Lucie. Bon, la classe. Lucie adore ce parapluie. Où sont tes parents? Oh non, on dirait que Lucie s'est perdue. Hey! Lucie! C'est un endroit très fréquenté où Lucie doit trouver son père. Lucie! Lucie? Oh non! Oh, tout le monde a le même costume que Lucie. S'ils suivent cette empreinte, ils trouveront Lucie. Ne vous promenez plus jamais seul. C'est promis, papa. Vous en souvenez-vous? S'occuper d'un bébé n'est pas ennuyeux. S'il te plaît, occupe-toi d'elle. Je dois faire à manger. Oui, pour toi. Eh bien, comment Wolfou va-t-il s'occuper du bébé pour aider la maman? Très bien, tu peux jouer avec cette maison toute seule. Fin de la partie. Prends la manette et arrête de m'embêter. On dirait que les bêtises de Lucie ont rendu Wolfou malheureux. Et Lucie veut vraiment jouer avec Wolfou. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Wolfou? Tu ne sais juste pas comment jouer avec elle. Laisse-moi te montrer. Maman Wolf a un moyen de rendre le jeu de Wolfou avec sa sœur plus amusant. Beau travail.
moule. Viens ici, viens ici. Maman, elle est trop mignonne. Les enfants, n'oubliez pas de passer du temps à jouer avec vos frères et sœurs. Qu'est-il arrivé au bébé chat? Hé, viens, viens. Bonjour. Bienvenue à Casper dans sa nouvelle famille. Waouh, on dirait que Kat est douée pour faire des gâteaux elle-même. Mon délicieux gâteau sera bien meilleur que celui de Monsieur Pan. Les deux gâteaux de Kat ne sont plus là. Wolfou, Wolfou, pourquoi est-ce que tu as pris mon gâteau? Salut. Je suis désolée. Mon gâteau a disparu. Qui est ce bébé chat? Maman, papa, surprise. Casper, stop, Casper. C'est ce garçon. Oh non. Ne sois pas triste, Casper. Suis-moi. Je te ramènerai à la maison. Je veux mes parents. Casper est orphelin et n'a toujours pas trouvé de famille. Pauvre Casper. Je veux être la sœur de Casper. Maman, papa, est-ce qu'on peut garder Casper? Oui. Super, viens, viens. Oui. Super. Désolée, Kat, on dirait que Pipi a pris ton gâteau. Il avait faim. Oui. Maintenant, la famille de Kat a un nouveau membre. Les amis, dites bonjour à Casper. Désormais, Casper a sa propre famille. Eh bien, quelle est la mission de la police Jenny aujourd'hui? La famille de cambrioleurs. Jenny veut être un officier de police. Cette fois, on va faire les voleurs. Voyons à quel point le jeu de la famille Wolf est amusant. Le
comment les deux enfants super voleurs peuvent-ils récupérer le trésor? Devinez quoi, à la suite de ce plan de vol de trésors, qui gagnera? À l'aide, s'il vous plaît! Le soutien de la famille Wolf sera-t-il couronné de succès? Désolé. Jenny est vraiment un super officier de police. Essaye de jouer au jeu Wolf Family avec ta famille. Ce sera intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec Wolfou? Wolfou nu. Ouah, la foire de l'école de Wolfou est très amusante, n'est-ce pas? Wolfou. Oh, Wolfou n'a pas écouté Piggy. Mince alors, après avoir essayé les vêtements, Wolfou doit remettre les costumes à leur place pour Piggy. Piggy, il n'y a plus de costumes disponibles. Wolfou! Si Piggy enlève tous les vêtements, Wolfou n'aura plus rien à se mettre. Quelqu'un? Quelle leçon mémorable pour Wolfou. Les enfants, n'oubliez pas de ne pas faire comme Wolfou, d'accord? Eh bien, Wolfou sait toujours se débrouiller. Voilà, essaye ce que tu veux. Ils sont si sales. Hé, hey, Piggy. Est-ce que tu peux me rendre mes vêtements? Tu as caché mes costumes.
Je ris jusqu'à en avoir mal au ventre. Ce n'est pas bien de te moquer des autres. Quand tu essayes de nouveaux vêtements, souviens-toi de les rendre propres. Je suis désolée d'avoir sali tes costumes. C'est pas grave, à condition que tu les laves tous à la main pour moi. Oh, pourquoi y a-t-il tous ces robots ici? L'école des robots. En ligne. Je serai un professeur puissant demain. Tout le monde, en ligne. Désolé, je dois aller faire pipi. Faux, c'est 4. Non, c'est toi qui as faux, c'est 2. Wolfou, être surveillant de classe n'est pas une chose facile. Non. Si seulement mes amis étaient aussi obéissants que des robots. Nous pouvons essayer l'école des robots. Hey! À plus tard. Hey! Bonjour, je suis Wolfou. Vous pouvez m'aider? La commande n'est pas programmée. Non. Allez. Prenez-moi avec vous. Je veux pas qu'on m'emmène loin. Étudiant à faible niveau d'énergie, charge, charge. Je suis pas un robot. Laissez-moi partir. Alien, à l'aide! Wolfou pourra-t-il s'échapper de ce monde de robots? Wolfou! Je ne veux plus d'amis robots maintenant. Mes amis, c'est les meilleurs. Au revoir! Wolfou! Les enfants, chérissez toujours vos amis.